pas d'eau potable, électricité, route dispensaire ou école secondaire. Voilà comment vivent les populations de Bambouchine, cette bourgade située depuis peu dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Ici, les résidents vivent un vrai calvaire au quotidien, car tous les projets annoncés par le gouvernement gabonais sont restés sans suite. Pour aller à l'école, certains élèves débutent la marche dès 5h du matin pour espérer être à l'heure avec tous les risques d'insécurité que cela comporte. Alors comment comprendre que l'on laisse près de 5000 âmes vivre dans ces conditions sans que rien ne soit fait pour améliorer leur bien-être? Où est l'État gabonais et qu'au fond le député et le maire de cette partie de la capitale gabonaise? Autant de questions qui méritent des réponses. Le gouvernement est ici, une fois de plus, interpellé à donner à ses résidents le minimum vital qui est l'eau potable, l'électricité, l'école, la route et un dispensaire, car c'est de son devoir.